Bien sûr que je suis sûr de vouloir le faire. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. On commence le live. Alors, je pense qu'il n'y a encore personne et je ne pense pas trop me tromper en disant ça. Wally, Walou, Walou. Alors là, sans aucune raison, mon ordi s'envole. Si on regardait un petit peu pourquoi. Ça c'est OBS. Alors il me dit qu'il s'envolait, mais qu'il a réussi à se calmer. Donc c'est bien. Ok. Du coup. Ah, et Twitter qui arrive encore une fois de plus à montrer que il arrive très bien à récupérer le titre d'un live Twitch. Merci Twitter. Merci. Apparemment, il y avait quelqu'un, il est parti. J'ai fait peur au monsieur. Pour un spectateur, oui, c'est normal, c'est moi. C'est tout à fait normal. C'est logiquement, c'est moi aussi. Ah, mais pit. La Better TV, pourquoi tu. Bon. Eh bien, mesdames et messieurs,
Nous allons commencer dès à présent à jouer. Et je suis très content puisque ce jeu peut se jouer à la manette. Contrôle de la manette, configuration audio. Je vais peut-être juste. Voilà. Un peu le son. Le jeu est en français avec des sous-titres français, ce qui fait qu'il n'y aura pas de problème de compréhension. On peut commencer dès maintenant. Yeah. Ég man eftir hljóðinu þegar viðurinn splundraðist, ylfrinu í vindinu og öldu skellu í andliti mínu. Húð mín fraus úr kulda sem var ólíkur öllu sem ég hafði áður upplifað og skipið okkar sökk. Í vægðarlausu djúpi sjávarins tók hálf gegnsætt net ránar við mér. Ég var dregin dýpra og dýpra í átt að gyðju sjávarins. Dauðin var komin til að sækja mig. Baráttu vilji sálar minnar myndi ekki nægja til að slökkva þorsta ránar í bráð sína. Myrkri kom, en þegar ég vaknaði var ég ekki höll þangs og beina, heldur í kyrrð og þögn. Ok, en tout cas déjà graphiquement, waouh, c'est... Déjà graphiquement, c'est cool. Donc ça, c'est pour taper. C'est pour taper encore plus fort. Ça, c'est pour roulade. Ok, donc on n'a pas le bouton de saut. Si je regarde toutes les autres touches, on peut jouer avec les sticks ou avec les flèches. La tombe, ok. Ok, à chaque fin de roulade, on a un petit temps de pause, voilà. Wow. Franchement, le jeu est super beau. Wow. Yggdrasil, tenging hinna nýju heima, gullfallegur. C'est clair que c'est super. Déjà, super bon point pour ça, le jeu est super bon. Ræður þú hvort þú heldur áfram að kanna svæðið eða snýrð aftur í Ginnungagap. J'ai le roi des mails.
pardon, papy, t'es en train de prendre ton bain, on va pouvoir passer plus tard. T'as fini? Papy! Papy, ça fait combien de temps que t'es dans ton bain? Regarde, tu commences à avoir des gâtes sur la tronche. Yeah! Bon, allez. Bonne vidéo. Ah, pardon, papy, t'étais dans ton bain, je te regarde pas, pardon. Hinn helgi mýmis brunnur, þar sem ég fórnaði auga mínu, mun endurnýja bæði líf þitt og krafta. Plus tard pour pouvoir activer les deux et rentrer là. Il y a des chances. On va partir sur la flamme là. Je regarde ce qui ressemble à ma vie en gauche. Aïe 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 aïe, non, non, ça picote. T'as vu, là, j'ai vu que je t'ai empoisonné, oui. En même temps, je suis mort à cause du poison d'une fleur ou d'un champignon, je sais pas ce que c'est, mais c'est vrai que c'est quand même une belle mort de merde. Hein. Il est tout à fait compréhensible que les dieux ne sont pas impressionnés. Pardon, papy, je te réveille à nouveau. Je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais... Je vais bien réveiller papy. Il est dans son bain. Hé hey papy, je me recasse. T'as oublié ton goûter. M'en fous, je ne mangerai pas. Attends, je vais devenir végétarienne. On est viking. Et alors? Þið Frigg, drottning Ásgarðs, geð ég fæðingar og visku. Frigg, DS, DS, DS. Verndari gullnu eplana og eilífrar æsku aðstúa þig.
Findu ávexti hennar til að lengja líf þitt. Il faut savoir, ça c'est pour la petite anecdote comme ça, culture G, que Noël chez les Vikings est basé justement sur Ytun, la déesse dont ils viennent de parler, qui était justement gardienne des fruits des pommes, de ces pommes-là, qui était justement la nourriture des dieux en fait, et qui c'était une fête qui célébrait la lumière. Non, je m'attaque pas. Aïe. Et donc l'objectif de cette fête était de célébrer comme Noël au moment du solstice d'hiver. Parce que à l'origine, Noël est célébré au moment du solstice d'hiver. Je crois qu'il m'aime pas. Máttur Dísan ætti að rjúfa innsigli grafhauksins. Et du coup, c'est la petite anecdote que vous pouvez ressortir entre amis. L'une des origines de la fête de Noël vient également des Vikings. Parce qu'en fait, après Noël, on a pas mal de pression. C'est l'idée que c'était une fête chrétienne, mais il faut quand même savoir qu'à l'origine, à la toute date, ouais, c'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne qui est célébrée un peu partout dans le monde. Et Goðin ein veit hvað dvelur í þessum haug. En fait, l'église qui entre guillemets imposé sa vision. Papy, qui a posé sa vision avec l'Empire romain. Megi þessi signi dauði veita þér endanlegan frið. À Ginnungagap maintenant, on va aller se promener un petit peu. Oui, oui, c'est là que j'étais avant. Ouais, ça m'intéresse que je... Aïe, mais... J'ai pas l'intérêt, on va aller à Ginnungagap.
est dans le néant. Le cerveau de certaines personnes. Til að mæta hinum máttugu jötnum þarftu að finna rúnirnar sem eru faldar víðsvegar ríkin. Sigraðu jötnana og sannaðu þig fyrir goðunum. D'accord. Wow. Petite galaxie en dessous. Calme. Jörð, rún uppskeru, frjósemi og jarðar. Pappi! Debout! Debout, pappi! T'as fui de me réveiller, petite conne! Si on part par là... Il n'y a pas l'air d'y avoir quelque chose. Toi, je sais déjà que tu vas tenter de me tuer. Non ? Tu me regardes, c'est tout. Si je fais ça. Ah, c'était peut-être une connerie. Je crois qu'elle n'est pas contente. C'est ce qu'il fallait faire. Aya!
va, tu t'en sors? Eh bien, laisse-moi t'attaquer. Madame, je crois que vous n'allez pas bien. Oh, j'ai tué la fleur. Ah oui, effectivement, madame, vous n'allez plus très bien. Þóða og ég var fætt til að berjast. Nýju stormasumum nóttum eftir fæðingu mín nefndi faðir minn eftir þrumuguðinu. Faðir minn var höfðingi þorpsins. Ásamt bróðum mínum og áhöfn þeirra sigldi hann höfin á stærðarinnar langskipi og ávann sér bæði ríkidæmi og vegsemd. Mér var kennt að berjast á unga aldri. Viska móður minnar, hugrekki föður míns og sögurnar á goðunum veittu mér innblástur til að verða hinn fullkomni bardagamaður. Þegar ég hafði aldur til, gaf faðir minn mér mína ástkæru exi og lyfti mér borð í langskip sitt. D'accord. Donc nous, on a déjà eu ça, ça. Elle, on l'a tué. Et donc oui, ça indique les chemins par où on peut aller. C'est ça. C'est pour retourner voir la madame. Voilà. J'ai pas envie de retourner voir la madame parce que. Elle est pas belle. Et là, je retourne dans la forêt. Mais pour moi, j'ai déjà tout eu. Undir rótum Yggdrasils á brunnurinn hvergelfir uppsprettu sína og af honum renna allar heimsins ár. Maman, je peux ramener un morceau chez moi, non? Je veux l'éteindre.
les voiles pour descendre. Déjà tu vois le niveau chiant avec des escaliers, des descentes dans tous les sens, des chutes de stalactites partout. Juste voir où est-ce qu'il traîne. Papi, 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 fais dodo. Tu t'es encore endormi dans l'eau là, papi. Ça c'est pas prévu. Il y a triche, monsieur l'arbitre. Aïe, mais comment tu... Je pouvais pas esquiver. Ouais, il va la prendre 20 fois là. J'ai tous les 3 descentes pour prendre la capture d'écran. Vous avez fundið við rúnina við rætur Yggdrasils. Haltu áfram að kanna svæðið eða snúðu aftur í Ginnungadal. Ce que je me dis, c'est que là, on n'a rien vu en fait. On n'a rien exploré du tout, puisque bah, on avait... racine arriver à la même grosse racine, je pense peut-être qu'il y en a plusieurs qui sont liés à la même route qui sont qui sont juste du décor.
mais je pense aussi surtout que... pas remonter. Du coup, je redescends d'un étage. Oui, d'accord. Donc là, on va retourner avec mon papy. Là, je peux remonter. Ok. J'avais pas vu cette table. Thank you.
Au cinquième, s'il vous plaît. À partir de maintenant, je perds le temps, je ne vois plus vos retours. Mais je sais, t'as plus de batterie. Du live pour ceux qui l'ont regardé, on fera les petits retours et les changements qu'il faut pour nous améliorer. Voilà, du coup, merci à vous d'avoir suivi. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce début de jeu. J'espère qu'il sera aussi cool que ça par la suite. J'espère que vous, il vous plaît. Et on se retrouve la semaine prochaine.